Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous sommes l'équipe Haïti qui entre la CAI aujourd'hui. Hein. Comme à l'ordinaire, et moi-même qui parle avec vous, c'est Severe Wilkins. Nous ne sommes toujours pas pour contre nous. Nous travaillons en éducation avec. Aïssi Levantal, c'est toujours un plaisir pour nous. Oui, et je dis encore, nous présents sur Chanel là. Et dans l'autre objectif qui est continuité, et nous avons fait des vidéos qui sont passées dans le mois prochain. Cellules et animales, et je dis on a continué à parler de cellules végétales. Oui, avant que nous continuions à parler de cellules végétales, là, n'a pas dit tout fanatique, nous n'avons pas oublié à l'abonner avec Chanel là et puis like you. Et Maître Pantal, nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui hein, pour une autre émission pour une suite ou bien continuité des oui, sujets qui étaient passés. Donc merci, Maître Sévère et Wilkins, merci à vous-même qui toujours. Aller sur www.éducation la CAI capable d'observer les vidéos nous remercions et n'a toujours dû continuer et like nous et n'a tant de commentaires et ça va permettre que nous mêmes nous fait plus effort. Donc Jean-Marc Wilkins ce jour là oui je dis on va parler nous va continuer avec sujet nous qui nous a parlé des cellules et animales et donc je dis on a focus sur cellules végétal. Yeah. Donc tout d'abord, on nous fait un rappel, nous te ouais et élément fondamental cellule là, nous te ouais une cellule, nous te définir une cellule qui s'allie c'est puis petit partie qui existe dans être là, yeah. Être vivant yeah. Et nous te dit une cellule là, il gagne différentes parties mais cependant gagne trois parties fondamentales. Nous te gagne membrane et cytoplasme et le noyau. Très bien. Et en dedans nous te même font rappel nous te dit qui fonctionne chaque et alors bien entendu et qui fonctionne membrane là nous te well et nous te parler tout de en dans cytoplasme mais qui élément que nous joignent et en dans noyau à tout nous te dit qui ça nous joint tout et nous te well tout et en termes de conclusion eh bien et noyau avec cellule là donc est comme si yo connecté pas capable gain cellule sans noyau ça veut dire c'est un élément clé cellule là besoin gagner et qui c'est noyau. Donc ça c'est ça que nous t'ai moi passé. Maintenant aujourd'hui on va parler de cellules végétales. Donc depuis nous parler des cellules végétales nous on a fait à plante. Donc nous allons parler cellules qui et cellules végétales qui existaient au niveau des plantes. Donc pas gagner c'est-à-dire pas gagner trop différence. Nous va voir ça gagner des différences oui, mais pas gagner trop différence. Donc en dans cellules animal là nous dit ouais noyau oui gain noyau tout en dans cellule végétale là yeah. Membrane gain membrane tout alors la seule différence alors membrane qui au niveau cellule végétale là donc nous si nous allons dire ouais cellule animal nous dit cellule membrane nous dit membrane plasmique très bien bien membrane cytoplasmique donc là nous ca tout simplement dit membrane cellulosique ouais pour cellule végétale là. Donc c'est ça et gain tout c'est toujours même élément yo qui en dans cellule animale là par exemple on prend mitochondrie ou prend appareil de Golgi ou prend les centrosomes ribosomes nous même même bagage ça en dans tout élément ça a existé tout au niveau de la cellule végétale maintenant cette différence au niveau des cytoplasme la cellule végétale gain des places qui présent là place yo ou je ne seulement au niveau de la cellule végétale pas gain sorti de là ou pas gain place au niveau cellule animale donc c'est différent ça qui gain placio yo défini comme placio qui ça yo même yo c'est des organites qui propres seulement à cellule végétale donc c'est eux même placio eux même yo pral diviser en plusieurs par exemple nous gain trois catégories de place placio qui les soyez nous gain chloroplaste nous gain chloroplaste nous gain chromoplaste et nous gain leucoplaste c'est-à-dire ça c'est place qui divise en trois sous embranchements très bien on dit mais cellule végétale là gain trois places en dedans alors oui gain trois places qui c'est moi dit chloroplaste chromoplaste et leucoplaste très bien ya donc chloroplaste qui ça oui yo même yo là pour yo fabriquer ou bien synthétiser des pigments très bien alors excusez-moi avant de continuer est-ce que façon cité là et qu'on s'allie aligner ou bien arranger en dans cellule végétale là donc c'est normalement j'aime de là c'est ça j'avais dit cellule la chose divisée en trois nous j'ai premièrement chromoplaste très bien nous j'ai deuxièmement
les chromoplastes, nous dit premièrement aux jeunes les chloroplastes, deuxièmement aux jeunes chromoplastes et troisièmement aux jeunes leucoplastes. Très bien, ok. Yeah. Donc nous dit chloroplastes qui ça oui. Yo même, yo c'est des éléments, c'est des places qui là pour fabriquer des pigments. Mais qui type de pigments? Chloroplastes catégoriquement yo même yo fabriquer des pigments de couleur. Alors c'est eux même qui baille l'organe des feuilles plantes non, feuilles de bois qui baille couleur vert non. Donc c'est chloroplastes qui baille. Ça c'est wall. Okay, et lui même tout c'est lui même qui va faciliter ça créer la photosynthèse au niveau de la plante. Le système photosynthèse. Donc c'est alors photosynthèse c'est un phénomène qui existe là quand maintenant côté plante lui même il on a dit il emmagasiner oxygène et il fait rejeter tout gaz carbonique. Donc ça phénomène ça dans prochaine vidéo nous allons parler plus de photosynthèse mais photosynthèse elle pourrait exister c'est à partir de chloroplastes. Okay. Et deuxième catégorie hein, c'est chromoplastes. Donc l'irresponsable aussi pigment mais cependant il n'est pas responsable pigment et de qui baille couleur vert qui responsable la coloration de la couleur vert non lui même par exemple en dans chloroplastes il gagne ou capable de parler de ou un pigment qui est les carotène très bien carotène qui baille couleur orange par exemple on prend les cas de carotte yes. Ou après il parle couleur vert ben couleur vert donc mais un pigment qui est responsable pour ça ça lui fait partie alors pigment ça fait partie des chromoplastes. OK mais est-ce que auparavant il y a des couleurs vertes là alors non pas même par exemple carotte là non carotte là de, depuis il existait toujours depuis naissance il gagne couleur ou elle gagne là très bien et c'est couleur ça veut dire son pigment qui bat couleur cependant feuille yo des couleurs vertes ça moi ouais feuille yo des couleurs vertes ça veut dire c'est chloroplaste il existait dans feuille yo ouais gagne alors si m'a prend chloroplaste toujours gagne un autre pigment tout nous jeune qui est les lycopènes donc qui bat couleur rouge. Ouais, la plante. Par exemple, si vous prenez les cas de tomates, si vous prenez les cas de cerises, donc de l'elmu, ou après, il y a une couleur rouge. Donc, ça, c'est qui laisse qui bat la couleur, ça, c'est un pigment qui découle de chromoplastes qui est lycopène. Okay. Il y a une autre couleur, tout, mm-hmm. Par exemple, il y a des plantes qui bat la couleur jaune. Mm-hmm. Par exemple, c'est mango. Ouais, yeah. Pigment qui est responsable couleur ça s'appelle anthocyane. Alors pardon, c'est sanctophile. Sanctophile. Donc qui est responsable couleur jaune ça. Il y a une catégorie de pigment tout en dedans chromoplastes qui c'est qui baille couleur violet, c'est qui baille couleur violette, c'est anthocyane. Donc tout ensemble des pigments ça yo, yo existé à partir de chromoplastes. Et troisième catégorie place non, c'est alors, leucoplastes. Alors, excusez-moi. Mm-hmm. Avant vous continuez plus. Quand vous mettez clair et vous mettez tout le monde qui a souvenir au clair, vous parlez de couleur tomate là qui a une couleur rouge, mm-hmm. Couleur cerise là. Parce que auparavant, tomate là, avant de couleur rouge, elle a une couleur verte. Comment ça se passe? Attendez bien. Ça veut dire, vous parlez au fur et à mesure, nous commençons, ça arrive à continuer. Yeah. Parce que il y a un changement qui fait. Yes. Les chloroplastes sont capables de changer en. Chromoplastes ou dit là par exemple si on prend les cas de un orange qui pas qu'en maturité les couleurs vertes les salines les chlorophylle présent mais immédiatement le vin en maturité le vin changer de couleur le pas vert encore mais ça il passe des étapes chloroplastes là il passe à étape chromoplastes ça veut dire où le vin changer de couleur donc c'est de même tout pour tomate qui vert les salines chlorophylle chloroplastes présent mais immédiatement le mu qu'on y a vin pas gain couleur vert là encore mais ça gain changement qui fait c'est chloroplaste vient changer en chromoplaste et troisième catégorie yon, mais changement pas pour toute plante non le bon généralement pas pour toute plante gain des plantes et jusqu'à ce que plante là lui-même n'est pas existe encore il toujours été avec couleur naturelle donc ça veut dire changement ça n'est pas pour toute plante OK. Clair et troisième catégorie yon, c'est les leucoplastes. L'écoplastes, yo même yo là et qui wol yo là pour m'a dit yo gain des éléments yo gain des pigments yo sécrété par exemple pour les cas des amidon c'est l'écoplastes amidon ouais, amidon là on prend exemple on patate li gain amidon là-dedans donc ça après li est comme si li pas gon couleur exact ça fait partie de leucoplastes manioc tout oui manioc aussi donc ça yo même on dit leucoplastes yo même yo gain des substances de réserve alors on dit substances réserve ou bien substances nutritives pas gain une couleur qui propre à lui-même donc ça veut dire comme si nous t'a dit pour leucoplastes neutre neutre pour par exemple chloroplastes couleur verte
et comme place eux même yo gen à couleur varié mais cependant pour les place eux même donc c'est un endionnet yo pas gen yo varié à n'importe quel moment yeah. C'est donc pour prendre exemple patate là oui nous constate gen patate qui gagne l'autre couleur rouge et puis gagne qui couleur jaune tout. Alors yo yo alors on m'a parlé des éléments yo sécurité. Entre les éléments, okay, c'est pas couleur. Exemple, patate là, pas non. OK. Yeah. Mm-hmm. Donc alors mettre Wilkins mm-hmm. et m'a fini pour me faire une conclusion et entre cellules végétales et cellules animales. Yeah. Donc cellules animales là. Li on en dit totalement pas gain ça n'est les places pas une place pas gain place mm-hmm. Et cellules végétales gain des petites vacuoles tout yeah. Et chez cellules et animal. Animal tandis que pour cellules végétales là il y a des grandes vacuoles et les places sont présentes yeah, toujours donc ça présent. C'est oui place toujours présent au yeah. Niveau de la cellule parce que la définition place on dit c'est des organites ou bien des éléments qui existent seulement chez la cellule végétale. Très bien. Donc c'est ça, c'est en termes de conclusion. Donc non, alors si les amis yo là qui besoin enrichir au plus une question cellule animale, yo ka loué, yo ka fait différence là, yo ka wè gen élément qui en dedans cellule végétale qui pas en dedans cellule animale. OK. Alors jusqu'à présent nous remercions pour bonne information ça yo éclairci nous et éclairci amis nous yo ka suivre vidéo ça. Nous remercions pour présence ou tu es là avec nous qui t'a ben nous des bonnes informations. N'espère que dans mois prochain nous va faire suite encore avec ce très bel sujet ça. Nous dit ou merci ou même qui a regardé vidéo ça, n'espère que vous pourrez like et commenter vidéo là, ou va abonner avec channel YouTube nous. Et pas oublier c'était Zamou Sever Wilkins qui toujours là chaque mois avec Zamou nous Aristide Pantal. Et qui toujours porter des bonnes informations pour nous. Bye bye, à la prochaine une autre fois pour une autre vidéo. Merci, à la prochaine.